Durant ce cours, nous allons apprendre les quatre derniers mouvements de la première partie de la forme de la lance. Un, deux, trois. Bien, je le refais une fois. On barre, on rabat et on pique. Trembler vers le bas en pas croisé. On ramène la lance devant la poitrine. En même temps, on lève le pied droit et on le croise derrière. Avec la lance, on fait barrer et trembler vers le bas. Bien, je refais une fois, regardez bien. On ramène la lance devant la poitrine. En même temps, on croise le pas, on barre et fait trembler la pointe vers le bas. Trembler vers le bas en pas croisé. Le prochain mouvement, reculer et pourfendre vers le bas. On lève le pied gauche et on le recule. En même temps, on pourfend vers le bas. Bien, je refais une fois, regardez bien. On lève le pied gauche et on le pose derrière. On soulève la lance au-dessus et en même temps qu'on recule, on pourfend vers le bas. Pratiquez avec nous. Trembler vers le bas en pas croisé. La main gauche doit passer du relâchement à l'empoignement au bon moment. Lors du tremblement, si les deux mains ne travaillent pas bien ensemble, il n'y aura pas de sortie violente de force, le mouvement sera rigide et la lance ne tremblera pas. Reculer et pourfendre vers le bas. Lorsqu'on pourfend, la lance et le corps sont verticaux et on utilise principalement la main gauche pour pourfendre de haut en bas. Ce mouvement doit être ample. On peut s'entraîner avec une cible pour augmenter la force et l'amplitude. La lance du mont Hemei occupe une place très importante dans les styles de lance des dynasties Ming et Qing. Son créateur est le moine Pu En de la montagne Hemei dans la province du Sichuan. Selon la légende, Pu En rencontra par hasard un maître qui lui enseigna son style unique de la lance. Après 2 ans d'élaboration dans une salle secrète, il saisit les principes de la lance et se mit à arpenter le mont du Wushu, où son art hors pair le rendit rapidement très célèbre. Le système théorique de la lance de Hemei est assez complet. Il exprime des principes de stratégie et tactique martiale comme l'alternance du calme et du mouvement, l'attaque et la défense ou l'observation de l'adversaire et contient différentes astuces techniques.
Le prochain mouvement, tourner le corps, barrer, rabattre et piquer. On tourne le corps à gauche, on barre, on rabat et on pique horizontalement en position de l'arc. Barrer, rabattre et piquer. 1, 2, 3. Bien, je le refais une fois. On barre, on rabat et on pique. Tournez le corps, barrer, rabattre et piquer. Après la rotation du corps, on fait une fois barrer, rabattre et piquer. On peut également le faire plusieurs fois. Le prochain mouvement, relevez le manche en position de l'arc. On ramène la lance, en même temps on lève le pied droit et on avance. La main droite glisse sur le manche vers l'intérieur et on relève le bout du manche en position de l'arc. Regardez bien le mouvement des mains. Tournez le corps, barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer est un mouvement de base de la lance. On barre vers l'avant. On rabat vers l'arrière et on pique vers l'avant. On doit bien veiller à la coordination avec les pas. Relevez le manche en position de l'arc. Relever le manche est un mouvement d'attaque à distance rapprochée où l'on utilise le manche pour frapper l'adversaire. On le relève avec force. Tremblez vers le bas en pas croisé. Reculez et pourfendre vers le bas. Tournez le corps, barrez, rabattre et piquer. Relevez le manche en position de l'arc. Maintenant, on pratique l'ensemble des mouvements de ce cours. Attention à l'association des mouvements avec les pas et aux liens entre les mouvements.
Nous avons terminé avec les mouvements de la première partie de la forme. On regarde à présent la démonstration des deux premières parties enchaînées par Monsieur Huang afin de mieux sentir le lien entre les mouvements. On doit pratiquer sans cesse la forme si on veut pouvoir l'exécuter de manière fluide et liée. On passe maintenant à la démonstration de l'ensemble des quatre parties de la forme de la lance. Au prochain cours, on révisera ensemble les mouvements de la première partie.